Good morning to the BNC Club. We are in Paris in the studio of Marie-Victoire Vinclair. She founded her studio in 2016. She used to work with Patricia Urquiola and India Madhavi, both female, very famous designers. And now Marie-Victoire has founded her own studio and she makes beautiful projects with craftsmanship, and she will. We are going to go around, share some documents, some videos, and go around all her last collection of totem. So, Marie-Victoire Vinclair, welcome. If you can say a few words about yourself, and then we will go to your. You have a presentation, a video you want us to see, and then we'll see your collection in your studio. Okay. Hello, everyone. Welcome. And this is my studio here in Paris. And so a few words about me. I grew up basically in different countries in Europe, between Berlin, Rome, and Paris. And my mother actually grew up in Morocco. So I was quite passionate since my childhood by craft. And so I used to go every summer there in Morocco. And I was really, really passionate about seeing the craft people working. And actually when I started to see how they would make everything with their hands and basically give a soul to an object, I was thinking this is exactly what I want to do when I'm growing up. So I decided to do that. And I'm pretty happy that I'm 40 years old and I realized my dream, which is to work with craft people. And because I think there's a lot of knowledge and I think it's really beautiful how when an object is made by hand, it really gives a soul to an object. And then when you put this object in your house, you feel the person inside of your house. So and what I like to do is basically take old techniques and see how to make them modern in a way, to make them, to combine the techniques so that they look modern and how to bring, because I think there's a real problem with craft people because it's sometimes it's an art that is not really highlighted for many years now. We've been in factories to make our objects and actually it's always more rare to find artisans right now because it's not really highlighted. I mean it's coming back, thank God, because I think it's very important. Yeah, it's very difficult to find the right people who still know how to work glass working with craft is also hard. It's a hard work. Yeah, and you really need to be passionate to do this work. Yeah, and for example, there's a lot of people. Let's take India, for example, where there's a India lot of craft. Madhavi. India, the country. The country. Sorry, not India Madhavi, which I used to work for. But no, I'm thinking about the country, and it's funny because I was making like in 2016, I was making a trip there to find craft people, and I could see that a lot of craft people start working, for example, in the call centers, or because it's like much more, like it's much cooler for them to work in a call center than work for the craft. Yes, and which is a real pity, and also like in France right now. Mm-hmm. We're going to talk and move because otherwise you don't see anything, which is which is so. So I can show you. Yeah, this is
Now, because the thing is that now we're going to go. We can do it like that. This is a collection I started in Tunisia, and also because in Tunisia, I had my my grandmother grew up in Tunisia, and this is why I'm so linked to the north of Africa, because of my mom and because of my grandmother, and I was thinking of all those craft people I was finding when I was a kid, you know, and how I could work with them, so with ceramic and glass. So what I decided to do is try to combine them, because I went to Tunisia and I was a bit looking for the history of my family, and in the same time I was making a sort of inquest about what people were making there, and I found this incredible glass, which looks basically like marble. So when I come close to it, it's almost vegetal, and it could look like a butterfly wing, for example, like when you see the inside. So, or it could be like some birds' feathers. Or it could be like the inside of a river, or it's like all those elements which are really inspiring me. So it's like craft and nature and landscapes, and also what I was intending to do is to try to bring, also because we cannot, I mean, I started already in 2016 this collection, but it's a bit of a summary of all my trips that I was doing. I was trying to put this somehow in an object. I can also show you, like in the other room, I have few objects also. And the collection is composed by. Tu peux parler en français en fait, hein. Je pense que ouais, on peut continuer en français. Bah, Non, pas de problème. Non, pas parce que, mais c'est parce que c'est bien aussi, tu vois. Je pense que. Ok. Bah, comme vous voulez, moi, ça m'est égal en fait. Donc en fait, il y a 5 vases. Il y a un grand, grand, grand vase qui est celui-là, qui est le vase numéro 0. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je pense que tout le monde voit. Vous voyez? On voit l'écran de le tien. Le mien. Parce que celui de Marie-Victoire, il est très foncé, il est tout foncé. D'accord, ok. Donc alors, okay, c'est bon, tu veux mon écran. Voilà. Voilà. Ouais. Tourne. Voilà. Nous le zéro. On va le mettre en live sur un coin comme ça, voilà. Et nous, on va faire comme ça. Voilà, donc c'est okay. Celui-là. Ouais, celui-là, il est bien, ouais. Celui-là, il est bien, ok, super. Alors, donc, ça, c'est le vase numéro 0. C'est un vase qui est assez grand. C'est un vase qui... c'est bon, je fais deux caméras. Salut. Ah oui, c'est celui-là, c'est bon. Donc, ça, okay, ouais. Voilà, celui-là, on va le mettre. C'est bon. Ok, mais sauf que là, on voit en sombre. Mais bon. Donc, en gros, là, il y a un très, très grand vase. Ensuite, il y a un vase un peu plus petit que j'appelle papa. C'est les grands-pères, c'est les papas. Ensuite, il y a les mamans, qui sont celles-ci. Les sœurs, qui sont celles-ci. Et les petits frères. C'est complètement blanc. C'est bon. Donc, les petits frères. Donc, en gros, pour vous résumer, il y a
toute cette collection, plus des suspensions, plus des bols, des appliques et des lampes de chevet. Il y a, alors j'ai normalement 5 couleurs, mais là je viens d'en avoir une nouvelle. On n'entend plus, t'as éteint le... on t'entend plus parler. Hello. Anne-Pierre, on n'entend plus rien. Ah, vous entendez là? Ah, ça y est. Là, vous entendez? Ça y est. Merci. Pardon. Donc, c'est quoi la nouvelle couleur? Alors, la nouvelle couleur, c'est celle-ci. En fait, c'est du coca avec du rose. Voilà, qui a un côté un peu 70s. Voilà. Est-ce qu'on nous voit? Je vois plus rien. Voilà. Donc, voilà, ce côté un petit peu années 70. Donc ça, c'est ça la nouvelle couleur. C'est du rose et du coca. Donc sachant qu'il y a aussi donc ces couleurs-là. Donc l'intérêt de ce projet, c'est de pouvoir et avoir chacun chaque vase à sa robe. Donc il y a 5 formes, donc la grande, la très grande, pardon, la moyenne, enfin la grande, la moyenne, c'est celle-ci, la petite et la très petite. Et donc ça j'appelle ça la sœur, les frères, le papa, la maman et le grand-père. Voilà, là on voit bien en rose, ça prend bien la lumière. Et donc l'intérêt, donc, c'est que chacun a sa robe, mais aussi chacun a sa céramique. Donc les céramiques, c'est comme des accessoires. Donc on peut complètement transformer le look d'un vase. En imaginant voilà, différentes combinaisons. Alors on peut même lui rajouter, pourquoi pas, une boule en haut, les boules qui normalement servent dans les petites lampes, qui peuvent être soit des lampes à poser, soit des appliques. Alors je vais vous montrer les 4 finitions. Attention, j'enlève, je ne mets pas directement dessus parce que j'ai peur que ça crame les yeux. En gros, est-ce qu'on voit bien? On voit pas bien. Ouais. Voilà, là on voit. Voilà, on voit. Donc là, ça fait un peu comme la lune, quoi. En gros. Il y a la lune blanche, non? Si tu peux mettre la blanche. Ouais. Donc ça. Ouais, lune blanche. En fait, c'est une matière qui est hyper jolie quand on a allé éclairer. C'est-à-dire que dès qu'il y a un rayon de soleil dedans. On a l'impression que ça, c'est comme si celle-là, elle est blanche, elle est magnifique. Celle-ci, elle est blanche aussi. Voilà. Dès qu'il y a un rayon de soleil dessus, en fait, il y a. Alors parfois, ça dépend des vases. Hein. Il y en a qui sont complètement translucides et il y en a d'autres qui sont un peu plus opaques. Après, ça dépend un peu de ce qu'on veut chercher comme effet. Il y a des gens qui n'aiment pas trop voir les tiges de leurs plantes, donc enfin de leurs fleurs, donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes sources d'influence, en fait? Est-ce que donc la source d'influence à la base, c'était vraiment l'artisanat, et c'est au cours de mes voyages, en fait, que je trouve des artisans.
Tiens, je te montre. Je te montre, voilà. Coucou. La pêche, tout le monde. Toujours, ça va. En fait, ouais, c'est au cours de mes voyages que je rencontre des artisans. Et c'est vraiment ça ma source d'inspiration. Et après, c'est évidemment la nature. Parce que, je vais montrer aussi les bols. C'est intéressant parce que, voilà, on a des choses comme ça. Ça, c'est un bol. Hein. Ouais, ça, c'est un bol. Non, ça, c'est nouveau, ça. Bah, ouais, c'est beau. C'est un peu nouvelle tout le temps. Oui, mais celle-là, je les avais pas vues. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, tu peux utiliser en bol ou alors en accessoire de vase. On est sérieusement de vase. Non, je pense pas que j'ai mis là, c'est tellement minus chez moi que. Voilà, mais par exemple, si on prend ce bol-là, on a l'impression que c'est quand même complètement, je sais pas, un tigre, des feuilles d'automne. Enfin, ça évoque plein de choses, en fait. Et ce que j'aime dans ces objets, c'est que finalement, on a l'impression de voyager à travers la texture. Et c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant. C'est un objet qui est en fait assez poétique parce qu'on a vraiment l'impression d'aller à l'intérieur d'ailes de papillon, par exemple. Regarde, si tu fais un zoom sur celui-là, on pourrait vraiment croire que c'est l'intérieur d'une aile de papillon. Et donc, on perd un peu, on se perd dans l'objet. Notre imagination va un petit peu voir ce qu'elle veut. Et donc, ça, c'est par exemple d'autres. Moi qui connais très bien Etoresso de ça, c'est totem. Ce bon vieux Etoré, voilà. Ben, pour moi, il y a quand même effectivement une référence. Je pense que inconsciemment, c'est sûr qu'il doit y avoir un truc. Parce qu'en plus, moi, j'ai quand même habité 10 ans en Italie. Donc, Le design italien, c'est clairement le design italien m'a clairement. Pour moi, c'est ma base. D'ailleurs, je connais carrément plus de design italien que le design français. Ah oui, d'accord. Je ne connais pas grand-chose au design français parce que j'ai fait toutes mes études en Italie, une grosse partie de mes études. Et voilà, moi, c'est. J'admire Etoresso de ça. Pour moi, c'est un. Mais en même temps, effectivement, il y a une évolution importante. Et puis, il y a cette idée de jouer avec les bagues, les formes, les totems, les couleurs. Et en fait, ce que j'aimais bien aussi, c'est que les gens pouvaient vraiment être en interaction, c'est-à-dire eux-mêmes créer leurs œuvres, en fait. Oui. C'est-à-dire que eux-mêmes, bien sûr, et c'est ça qui est marrant, c'est que en fait, ça devient quelque chose de complètement. C'est très amusant de vraiment composer son vase. C'est un jeu. Et puis il y a un truc d'identification, quoi. C'est-à-dire que il y a certaines personnes, pour elles, elles se font happer par leur vase. Il faut que je dépoussière un petit peu. Ouais, c'est normal, hein, c'est du verre. J'ai eu une petite demande par le chat box parce que ça effectivement c'est une lampe qui se pose, mais c'est une applique en fait. Ouais. Donc, aussi on peut la mettre en lampe. Si je peux pas la montrer, non. Ouais, attends, voilà. C'est-à-dire qu'en fait ça s'accroche au mur. Soit on le met en lampe de table. Voilà. D'ailleurs la céramique est un peu plus grande en lampe de table. Soit on peut le mettre sur un mur. Donc ça c'est sur le côté, on peut l'accrocher. Mmh. Ça c'est la petite version et après il y a des plus grandes. Ce qui est assez amusant, c'est que les petites boules en fait on peut les mettre soit sur le haut des vases, soit on applique aussi. Chaque élément est vraiment, et c'est ça qui est intéressant je pense dans le projet, c'est que on peut vraiment composer. Donc c'est un peu comme un jeu de Lego. Mmh. Et on peut composer son œuvre totalement, c'est-à-dire que on décide et à chaque fois c'est très différent d'ailleurs, et c'est très amusant. Par exemple, moi j'aime bien la combinaison du vert avec le rose, c'est hyper beau, très très fort. Et d'avoir une pièce comme ça, et en plus ce qui est intéressant c'est qu'avec 2-3 pièces ça illumine toute la maison en fait. Alors, donc, on continue à évoluer dans le studio. C'était une lampe c'est une lampe d'India, ça, non? Ouais. Tu l'avais faite pour India? J'avais dessiné, ouais. Ouais.
Donc voilà, ce que vous voyez chez India Madhavi, les accessoires, non, non, faut pas le dire, oui, même pas quand je dis India. Mais elles, c'est des copines, elles sont cool. C'est une collaboration. Ah voilà, voilà. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Travailler ensemble. Ok. Alors, on va se rasseoir là 2 minutes parce que tu voulais nous montrer. Le process créatif avec ton film. Donc là, j'ai fait share screen. Donc là, moi, il faut que je stop share. Normalement, tu peux share. Est-ce que je suis branchée? Ouais, là, t'es pas sur le. Tu... Attends, normalement, c'est. Je peux aller sur ton. Ah oui. C'était le lien que tu m'avais donné. Ouais. Non, tout déjà. Toi, t'es sur Zoom là ou pas? Si je veux bien. Envoie-moi le lien plutôt. Attends, donc, juste une seconde. Pardon. C'est pas grave. Donc, voilà. Et là, je vais vous montrer la cour. La cour de l'immeuble. De l'immeuble. Voilà. C'était quand même très sympa. Anne-Pierre, tu peux nous remontrer le petit papier qu'elle nous a montré au début où il y a tous les modèles Ah oui, le petit papier, oui, d'accord. Alors, pour ceux qui sont intéressés... Parce que je suis allée sur le site et on ne le voit pas. Le catalogue, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de... C'est ça ce que tu voulais voir? Attends. Ouais, exactement, parce que sur le site, ça n'y est pas, ça. Ben, en fait, il y a tous les modèles directement sur le site. Ouais, mais ça, c'est vachement utile. Bouge pas. Non, mais je vais te faire une capture, je vais te l'envoyer par texto. Mais surtout, ce que je peux faire, c'est que si vous me laissez vos adresses à la fin, je vous envoie et le catalogue, et les prix, etc. Tous les modèles. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, d'accord. Bah, tu vois, pourquoi ça marche pas. Ah oui, admit. C'est parce que je ne t'ai pas encore admise. Tu es admise là. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, du coup, je vais faire en mute. Moi, je vais mettre en mute aussi. Vous entendez là ou pas encore? Ah non. Démarrer vidéo. D'accord. Salut! Alors, comment je fais pour partager mon écran? Mon écran. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Non, c'est la réunion, Tammy. Pourtant, tu es là-dedans. On voit le sol. C'est la réunion. Ouais. On voit le sol, ouais. C'est la réunion. Ouais, t'as dû m'envoyer le. C'est bon? Vas-y, c'est la réunion, si tu es autorisé. Et là, on vous voit, vous, les filles. Hein. Ouais, vous nous voyez, nous? Ouais. Autorisé. Ouais, ben ça marche pas. Bah tant pis. Vous envoyer les films. On peut faire comme ça. On filme le truc. Ouais. Avec ton téléphone, t'as qu'à filmer parce que. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. T'as un écran. C'est bon là. Tout est possible. Attends. Donc ça, c'était ma... Comment j'ai commencé? En fait, ce que je fais, c'est que je voyage dans un pays qui est généralement lié à une histoire. Bon, là, en l'occurrence, c'était la Tunisie. Donc, je vais avec mes petits pieds. Je me balade dans la ville. Je m'inspire des choses, des gens, de l'art que je peux voir, en fait. Là, en l'occurrence... regarde, on me voit quand même. Salut. Là, en l'occurrence, ils font énormément de céramiques qui sont sublimes et qui sont très très belles avec la lumière, en fait. La lumière sublime toutes ces céramiques. Et après, donc, influence avec moi, mes influences européennes et avec ce que je trouve chez les différents artisans, je vais commencer à créer. Voilà, donc là, en sortant de chez l'artisan, je me suis dit, tiens, on va combiner. Ça, vraiment, j'ai fait ça immédiatement en sortant de chez l'artisan. Je me suis dit, tiens, on pourrait combiner des vases
en verre et de la céramique. Et après, donc, j'ai trouvé chez lui des espèces de... Enfin, ça ressemblait un peu à du marbre comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est hyper beau. Comment on va faire pour... Voilà, et je me suis dit que ça ressemblait un peu à un textile. Parce que moi, je suis aussi passionnée de mode. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant de mettre en relation, quoi. Habiller des objets. Et donc, j'ai commencé à faire des rendus 3D, parce que moi, je travaille par 3D. Ensuite, sur mon petit bureau sur lequel j'étais tout à l'heure, devant ma petite fenêtre et mon petit arbre, je commence à découper des petites formes en papier pour vérifier toutes les proportions, etc. Une fois que j'ai fait ça, donc je fais toutes les formes en blanc, en papier, pour vérifier que toutes les formes sont intéressantes. Après, on passe en phase de fabrication. Donc, on a des moules en bois. Donc, voilà, ça, c'est les différents moules en bois. C'est du bois de cerisier. Ensuite, on a des pigments. Donc, on met dans des espèces de petites gamelles. Ensuite, on vient cueillir avec une gerbe de verre en fusion. On vient cueillir le pigment. On enferme dans plusieurs couches de verre. Puis ensuite, donc, il y a le souffleur qui souffle dans le moule, comme ça. Et après, on coupe la forme, on la réchauffe plusieurs fois dans un four. Voilà. Et après, on sort un petit vase qui est assorti à ma jupe. D'accord. Un soir. Et là, c'est un papa, une maman. Ça, c'est un papa. Ça, c'est un papa. Papa. Je tiens un papa, un peu comme un bébé dans mes bras. Et ce qui est quand même assez classe, c'est qu'il est assorti à ma jupe. Donc, quand je sors, je peux sortir avec le vase qui est assorti à ma jupe. Bah oui, voilà. Donc, tu ne portes plus qu'une seule jupe depuis. Ouais, depuis, c'est ça. Non, mais je change parce que parfois, je mets des choses, par exemple, vertes. Vous voyez, heureusement, j'ai des... Il y a du changement. Ouais. Voilà, je peux... C'est vrai que ton chemisier ressemble à tes vases, quelque part. C'est ça. Ouais. Je m'habille comme mes vases. Bon, voilà. Et après, il y a toute la partie céramique. Alors là, j'étais allée voir quelqu'un qui faisait... en fait, il faisait des amphores à la base. Et on a commencé à travailler comme ça sur des formes un peu basiques parce que j'aimais bien des choses très géométriques comme ça et donc l'idée c'est d'avoir une espèce de grande famille avec chacun sa robe, chacun sa céramique, son accessoire et qu'en fait on puisse empiler Alors voilà, tiens, après, c'est les lampes, les suspensions. Voilà, qui peuvent se mettre soit en grappe, soit... Donc après, on peut faire des compositions monocouleurs, c'est un peu comme on veut, quoi. Marie-Victoire, maintenant qu'on est sur ton ordinateur, je me demandais si tu pouvais nous montrer aussi, parce que bon, là, on parle beaucoup de la collection Totem, mais tu es aussi partie en Afghanistan pour travailler le bois. Ouais. Bon, t'es partie en Inde, tu travailles sur des coussins, enfin, il n'y a pas que... Ouais, alors c'est vrai que là, par exemple, je suis en train de faire des protos, je peux vous montrer en exclusivité mondiale, n'est-ce pas? For the BNC Club! On a perdu la connexion. C'est de sa vie à Saint-Paul, pas à Saint-Paul, mais à Vence. Et notamment sa chapelle où il fait des couleurs extraordinaires. Et donc, moi, il avait travaillé sur des chasubles, comme ça, où il y avait comme. Il faisait ses découpages. Et je me disais que c'était assez intéressant. Si on regarde, on voit que, en fait, le tissu en dessous, c'est la toile brute, du canvas, comme du lin, non? Et ouais, puis c'est cousu par-dessus. Voilà. Ça, c'est des techniques comme ça aussi. Indiennes. C'est des techniques qui sont là depuis très longtemps. Et donc j'ai très envie de faire des coussins comme ça assez légers qui puissent aller pour des maisons de vacances mais aussi en intérieur parisien, pourquoi pas. Donc il y a plein de motifs possibles. Voilà. Donc là j'ai reçu plein de protos, donc je suis en train de voir
C'est un peu à l'envers du décor. Hein. Il y a des cartons partout. On vit avec... parce qu'en plus, j'habite ici, donc je vis avec mes cartons, mes protos, mes 100 000 vases. Mais j'adore ça, je suis très contente. Et après, il y a, je peux montrer les centres de table. Oui, les centres de table. Ouais, je veux bien que tu montres les centres de table. Attends, je vais aller chercher. Ouais, c'était pas prévu aujourd'hui, mais je trouve ça sympa qu'on voit un peu... justement, c'est très Matisse, effectivement, Delphine. Parce que comme Matisse a fait la chapelle à Saint-Paul-de-Vence, et donc voilà, c'est ça le lien avec Marie-Victoire qui va souvent à Tourette-sur-Loup, qui est un petit village. C'est pas vraiment en Provence, hein. Si, c'est en Provence aussi. On peut le montrer par terre, tiens, peut-être, ça serait joli sur le tapis. Wow. Ouais. Alors, ouais. En fait, voilà. Ça, je m'étais inspirée d'un dessin du Bauhaus. Donc, en fait, j'étais partie en Afghanistan rencontrer des artisans qui font cette technique qui s'appelle le jali. Le jali, c'est vraiment un truc typiquement afghan. Et enfin du Moyen-Orient quoi, et c'est un peu une sorte de mouche à rabier. Et en fait, ce qui m'amusait, c'était comment est-ce que je pouvais lui donner un sens un peu plus contemporain. Et du coup, j'étais partie sur un dessin, des dessins du Bauhaus. Et en fait, c'est un dessin assez géométrique, très mathématique presque. Et en fait, quand on combine, ça, c'est un centre de table, donc on peut mettre ça sur sa table, voilà, pour les deux, comme un espèce de dessous de plat, quoi. Un centre de table, et ça fait un peu comme un bijou, et on peut en mettre plusieurs, et puis on peut faire plein de compositions, comme ça. Il y a toujours ce côté jeu, composition, hein, qu'on retrouve. Et moi, je suis très... Alors, c'est peut-être parce que je viens d'une famille nombreuse, J'ai toujours des membres de la famille, et puis il y a un individu, et puis après il y a plein de choses, et c'est le fait d'être plusieurs qui fait que c'est une chouette composition en fait. Mais alors moi, ce qui m'a étonnée quand même, c'est que tu es partie en Afghanistan au moment où il y avait encore la guerre, et on s'est tous dit, elle est folle. Hein. L'amour de l'art et de l'artisanat, c'est bien, mais bon, quand même, voilà. En fait, c'était des conditions exceptionnelles, en fait. Je vais peut-être mettre de côté, comme ça on voit les vêtements en même temps. C'est du bois de quoi ? Qu'est-ce que c'est comme bois, pardon ? Alors ça, c'est du noisetier, en fait. Noisetier, ouais. D'accord. Voilà, et non, mais j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de pouvoir partir en Afghanistan comme ça, parce que c'était... C'est vrai que c'était avec une organisation, une ONG, et c'était super chouette parce que du coup, on a pu vraiment découvrir énormément de choses et avoir accès, rentrer dans les villages, chose qui est quasiment impossible. Enfin, c'est difficile de pouvoir voyager normalement. En tant qu'Européen, aujourd'hui, en Afghanistan, c'est vraiment compliqué. Bien sûr. Et donc, c'était où en Afghanistan, d'ailleurs ? On était à Kaboul, mais après, on a un peu voyagé dans plusieurs régions pour aller à la rencontre des artisans, quoi. Voilà. Et alors là, par exemple, avec les artisans, ce qui est amusant, c'est que parfois, on a des surprises. Par exemple, là, la dernière production, il m'a envoyé cette énorme boule. Moi, je lui ai demandé de me faire une boule comme ça, en blanc, mais un petit peu plus grand. Il a fait une boule. Ah oui, d'accord. Il y a une histoire d'échelle, quoi. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, je suis toujours sur place pour faire toutes les couleurs avec les artisans, etc. Ouais. Et là, avec le Covid, c'est quand même compliqué. Donc, normalement, ils me mettent dans un coin de l'atelier sur un téléphone pour que je puisse contrôler. Bien sûr. Je ne suis pas non plus là chaque minute. Là, il a voulu être artiste. Et donc là, il s'est fait un truc énorme. Et je me suis dit, bon, c'est tellement petit chez moi, où est-ce que je vais mettre cette boule ? Du coup, je l'ai posée sur ce vase, ce nouveau vase avec cette nouvelle couleur, n'est-ce pas ? Je profite de... Bravo. Voilà. Et je me suis dit, mais comme c'est joli, mais pourquoi pas faire une lampe avec ça ? Ben voilà. Et du coup, une suspension, je me suis dit, ça serait pas mal en suspension. Alors, ça pourrait être une suspension, mais toujours avec cette idée de composer le vase. Et c'est ça qui est infini, en fait, avec cette matière, c'est qu'on peut...
moi, j'ai envie de faire des tables avec, j'ai envie de faire des milliards de trucs. Ouais. Et du coup, bah, tout est possible. Ouais. Comme ça ressemble à du marbre, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, hyper texturé. Voilà. Et donc, je voulais demander au BNC Club Art ce qu'ils pensaient de cette nouvelle lampe. Vous pouvez voter dans la chat box. Voilà. Je sais pas si vous trouvez ça bien ou bon, c'est un peu trop fou. Parce que je trouve ça un peu dingo. Ouais, ouais, bien, moi, j'adore. Mais alors là, c'est vrai qu'on ne voit pas parce qu'il y a le reflet de là. Ouais, voilà, là, on voit mieux. C'est super la lampe. Voilà. On a des commentaires. Ah bon, bah voilà, ouais. Voilà. Parce que je voulais savoir si je lançais cette lampe. C'est ouais. Vrai, tu peux lancer la prod. Voilà, parce que je fais des essais. Ouais. C'est ça qui est chouette aussi avec ce projet, c'est qu'à chaque fois, on a des choses différentes. Regardez. Hop. Est-ce que tu vas faire des... Oui, les bagues sont noires et blanches. Est-ce que tu vas faire des bagues de couleur? Bah, pour l'instant, c'est pas vraiment prévu. Pourquoi? Parce que je trouve que... En fait, le noir et blanc, ça calme un peu le jeu par rapport à... Parce que c'est déjà quand même tellement coloré et tellement fort que c'est pas mal quand même d'avoir quelque chose qui vient un petit peu radoucir tout ça, quoi. Oui. Ce que j'aimais bien aussi, c'était... voilà, enfin, on verra avec la couleur, mais le côté... Il y a des matières chaudes, des matières, matières chaudes, des matières froides. D'accord. Des choses... voilà. D'accord, très bien, très bien. Bon, ben voilà, donc nous étions live in Marie-Victoire Vinclair Studio. Ouais. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer les catalogues, etc. Et puis, et surtout, vous pouvez aussi venir chez moi. Exactement, elle est à Paris, rue de Grenelle. Voilà. Dans un quartier absolument atroce, où personne n'a jamais envie d'aller. C'est un petit peu le coup de gorge, hein. Faire attention, c'est hyper dangereux. C'est un peu craignos. Voilà, exactement. Et voilà, j'essaye de pour terminer, je suis très heureuse d'avoir pu faire ce studio visite avec Marie-Victoire. Évidemment, elle est à Paris, donc c'est très simple de la voir en vrai.